Salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Color Cross Online et nous avons une grille de Mario Coco. Je lui avais envoyé un médecin, mais justement on a eu l'hôpital hier avec la dent que j'ai envoyée à Hélène. Donc c'est parfaitement dans le thème. Et nous allons voir ce que Monsieur Coco nous a envoyé. Donc beaucoup de 15 comme d'habitude, ça fait plaisir. Même si j'aime pas commencer par le blanc, mais bon, c'est pas grave. Alors, 10, 5, 6, 7. Non, faudrait que tu me dises, Coco, si tu les fais aussi rapidement, les miens, si tu les trouves difficiles ou pas. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'y penser au moment où je te vois. En tout cas, je te remercie de toutes ces grilles que tu m'envoies. Et du fait que tu mettes des petits commentaires sur les vidéos, ça fait vraiment super plaisir. 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est fait. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, hein, si vous voulez m'envoyer de vos grilles, il suffit de me faire une demande sur Facebook. Parce que c'est un jeu qui est sur Facebook. 1, 2, 3, hop. Et ça sera avec grand plaisir que je ferai vos grilles. Alors, 3 c'est fait, le 6, le 4, 2, 3, donc là c'est 2, la toque, 1, 2, 3, 1, hop, et hop. Donc le 2 c'est fait, le 5... Donc là je grise, je me demande ce que ça peut être. Donc là c'est bon. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Hop et hop. Puis là c'est la dernière couleur. Touc, touc et touc. Ouais. Je vois le mot pied, P-I-E-D. Est-ce qu'on dirait un fauteuil avec des... Peut-être une luge, mais une luge, il n'y a pas... On va faire comme d'habitude, un petit ellipse, et puis dès que je pense avoir trouvé, je vous retrouve. Ouais, effectivement, maintenant je vois. Parce que je cherchais un petit peu dans les lettres, et je voyais pas trop ce que représentait le dessin. Et j'ai vu le mot oiseau. Mais je me suis dit, mais un oiseau, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, tout simplement, ça c'est la branche, et ça c'est l'oiseau. Comme quoi, le choix des couleurs est important. Parce que là, étant donné que la branche est la même couleur que l'oiseau par lui-même, bon, même s'il y a du vert, puis bon, les oiseaux verts, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus répandu, hein. Il n'y a pas de décor, donc on peut pas situer la chose, on sait pas si c'est... Si c'est de l'herbe, si c'est du ciel, on sait pas. L'œil est blanc. Un oiseau avec un œil blanc. Je trouve ça assez bizarre. La branche, elle tient sur rien du tout. Elle vole. La patte est de la même couleur que la branche. Donc je suis désolé Coco, mais je vais être obligé de te mettre une mauvaise note pour une fois. Parce que là, c'est un petit peu bâclé quand même. Et on va t'envoyer une grille. T'envoyer une de mes premières. Bien moche. Mais au moins, voilà, il n'y a pas de décor, certes. Il n'y a que deux couleurs. Mais on voit ce que c'est.
Voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à demain pour la suite. Prenez soin de vous, jouez bien, bye bye.